Allez, c'est parti, parlons des callbacks. Je vais double-cliquer sur la fenêtre vide de l'interface de contact 5, ce qui me crée une interface d'instrument. On va rentrer à l'intérieur de l'instrument en cliquant sur cette petite clé. Alors ici, on a plusieurs fenêtres que l'on peut fermer, comme ceci. Nous avons des onglets Instruments, Options, Group Editor, Mapping Editor, Wave Editor et Script Editor. On va ouvrir le Script Editor. Il est ouvert. Nous avons 5 emplacements. On va cliquer sur Edit ici pour entrer notre script. Alors, qu'est-ce que sont les callbacks Eh bien, c'est une partie vraiment très importante du scripting dans Contact 5. Pour simplifier sa définition, un callback est un emplacement dans le script qui va dire à Contact 5 quelles actions il va devoir accomplir quand un événement arrive. Exemple, quand Contact 5 reçoit un message midi de note on, par exemple, quand on appuie euh, sur notre clavier maître MIDI sur une touche, eh bien, le script de contact 5 va être appelé. Faisons un exemple. Je vais taper on, on, init pour initialize, entrée, et je vais taper end. Fin et on. Ce premier callback commence donc avec on et se termine avec on. C'est un principe à retenir. Un autre callback sera par exemple on, note et end, on. Donc là, ce sera... Un callback de euh, message midi de note on. Un troisième callback on release. Changeons le message, dit guitare est un contrôleur. J'aurais pu rajouter de la SNCF. Faisons apply. Donc là si je joue une note, j'ai mon message de note on, si je relâche, j'ai mon message de note relâchée et si je bouge ici la molette de modulation, j'ai mon message dit guitare est un contrôleur Alors ça paraît rien ça, mais c'est vraiment la base et c'est hyper ultra important, c'est callback. Pour terminer, euh, c'est couramment fait. On va rajouter des commentaires à nos scripts, à nos blocs de scripts. Alors ces commentaires ne seront pas lus et interprétés par euh, le scripting de Contact 5. Ce sera juste des informations pour nous, pour savoir et eh bien sur quelle partie on travaille, etc. Pour ce faire, on va euh, rajouter des accolades. Alors sur Mac, pour rajouter une accolade, c'est Alt et ouvrir la parenthèse. Et là, vous voyez que euh, c'est du bleu, la couleur. Et puis Alt et fermer la parenthèse. Et tout ce que je vais mettre dedans, eh bien, seront des informations euh, pour moi, mais ne sera pas interprétée euh, par le script de contact 5. Alors, cela peut avoir une autre utilité. Si je veux bypasser une partie de mon script, eh bien, je vais le mettre entre accolades. Tout simplement. Passons maintenant aux variables. On va avoir besoin de valeurs, par exemple pour des effets particuliers, pour un nombre de répétitions ou toute autre valeur. Les variables sont des parties Mémorisant les valeurs, on a différents types de variables, car différents types de valeurs. La première variable est aussi appelée variable normale. C'est par exemple une variable sans décimale. Donc on n'aura pas 10.5, 11.9, etc. Cela sera vraiment des nombres entiers. Qu'est-ce qu'une variable normale C'est une cellule, si vous voulez, seule, avec une valeur à l'intérieur. Cette cellule aura un nom, par exemple ma variable. Vous retrouvez une liste des différentes variables dans le manuel KSP. Prenons un exemple, si vous le voulez bien. Donc, je vais me situer euh, dans mon callback onInitAndOn que nous avons vu précédemment. Et je vais devoir, avant tout, déclarer ma variable. Pour déclarer une variable, je vais taper le mot déclare. Je le prononce en français. Alors, ensuite, on a un symbole qui est utilisé pour déclarer cette variable c'est euh, le signe, dollar, et je vais donner un nom, ma, ensuite je vais mettre un signe que l'on appelle il me semble underscore, mais j'en suis pas sûr, c'est comme un tiré si vous voulez, mais tiré vers le bas, donc c'est ce signe là, et je vais le nommer variable. Donc ça, si vous voulez, euh, le dollar, c'est le type de variable, et j'ai le nom de ma variable. Maintenant, je vais donner la valeur de ma variable. Donc je retape euh, le dollar. Je retape le nom de ma variable. Continuons avec les variables, mais ce coup-ci avec ce que l'on appelle des arrays, A2R, s. Et si vous voulez, qu'est-ce que sont les arrays Ce sont plusieurs cellules, donc plusieurs euh, variables, comme on l'a vu précédemment. Et on peut en avoir jusqu'à 32 768. C'est pas mal du tout. Chaque cellule d'un array est... Est appelé élément et nous allons pouvoir indexer les éléments par exemple 0, 1, 2, etc. On va pouvoir également nommer le ray par exemple mon array. Ensuite, on mettra une accolade mais carré. On va le voir juste après. C'est ce que les anglais appellent square brackets, n'est-ce pas? Et entre ces crochets, on va avoir le nombre d'éléments par exemple 3. Chaque élément aura donc sa valeur. Alors, grâce à ces arrays, on va vraiment gagner euh, du temps de codage mais aussi euh, pouvoir automatiser le procédé de valeur. Très bien, créons un script d'arrays. Dans un callback on init, alors je vais le déclarer on a vu c'était déclare pour déclarer. Le symbole pour les arrays, c'est pourcentage. Je vais nommer mon array. Je vais donc utiliser, euh, comme je vous le disais, l'accolade euh, carré. Alors sur Mac, c'est Shift, Alt et parenthèse. Je vais mettre 3 et Shift, Alt, parenthèse fermée. Pour fermer mon accolade carré. Donc le chiffre entre accolades correspond au nombre d'éléments. Pour faire un test, je vous ai dit que le maximum c'était 32 768. Apply. Très bien. Si je mets 32 769, apply. Je vais copier ceci. Une deuxième. Une troisième. Une quatrième fois. Je vais changer les numéros de mes cellules. Donc 0, 1, 2, 3. J'ai bien mes quatre cellules ici. Mes quatre éléments. Alors je vais changer mon deuxième message. Je vais mettre A. Toutes et tous. <laughs> c'est pas du verbe tousser. Hein? Oh là là, mais je suis comique en ce moment, c'est pas possible. Très bien. Dans mon callback euh, on note. Je vais appeler mon message parenthèse point d'exclamation mon string accolade carré. Ici, je vais appeler ma variable une avec dollar $1. Je ferme mon accolade carré. Et je ferme ma parenthèse. Ma variable, ici, $i, deux points, égale, $i, plus 1. Très bien, faisons Apply. Ah, j'ai une erreur. Très bien, j'ai corrigé mon erreur. Je clique sur Apply. Et maintenant, regardez ce qu'il va se passer. J'appuie une fois, j'ai mon message bonjour. J'appuie une deuxième fois. Ah, troisième fois, toutes. Quatrième fois, et tous. C'est ainsi que se termine ce premier module. Je vous invite à refaire toutes les manipulations de ce tutoriel. Les refaire et les refaire, il faut vraiment que cela devienne automatique et je vous donne rendez-vous très très vite pour le deuxième module. 3 est égal à 3. Si je mets 2 plus 1, opérateur note 3, donc là c'est toujours faux car 3 est égal à 3 et le signe veut dire n'est pas. Nous avons des opérateurs d'addition, 2 plus 1 par exemple, des opérateurs de soustraction, 2 moins 1. Un. un opérateur de multiplication. Alors attention, c'est pas x, c'est une astérix. 2 fois 1. Un. un opérateur de division, c'est slash. Et nous aurons un opérateur qui s'appelle mode, MOD, qui est un opérateur moduleur. Alors si par exemple je fais euh, 9... divisé par 3, très bien, cela fonctionne, hein, ça fait 3. Par contre, si je fais 10 divisé par 3, il va toujours me donner 3, euh, parce que ce n'est pas un nombre entier au niveau du résultat. Et donc, il faudra utiliser 10 mode 3. On a un opérateur d'assignation avec deux points égales, Voici pour ces opérateurs qui vont nous servir lors de l'étape de scripting. Parlons maintenant des controls. Alors, on va... Donner des exemples, mettre en pratique. On va compliquer considérablement l'affaire pour vous montrer jusqu'où on peut aller. Alors, pour un programmeur de métier, euh, ce que je vais vous proposer, c'est assez simple. Mais pour nous, c'est déjà, vous allez le voir, assez complexe. Et par exemple, pour vous euh, illustrer euh, ce que peut être un contrôle, eh bien, c'est if. Ça veut dire si, en anglais. Et donc, on aura si cette info est vraie alors Contact va réaliser cette action. Par contre, si cette info est fausse, alors Contact va réaliser une autre action. Faisons un script simple. Un init pour mon callback. And on. À l'intérieur, je vais coder mon contrôle, donc je vais mettre if parenthèse ouverte parenthèse fermée et en dessous, je mets end on. Donc en fait, si vous voulez, c'est le même principe que le callback que nous avons vu dans le module 1, on init. And on, là j'ai if et end on. Maintenant dans mes parenthèses, je vais euh, rentrer un message, par exemple 1 plus 1 égale 2. Et puis je vais mettre message, parenthèse, guillemets, vrai, guillemets. Donc là, qu'est-ce que je dis Eh bien, je dis euh, si 1 plus 1 égale 2, d'ailleurs j'ai oublié ma parenthèse ici, eh bien, merci euh, d'afficher le message vrai. Faisons Apply. Alors, j'ai une erreur, car effectivement, je me suis trompé. J'ai mis end-on, qui est la terminaison pour le callback d'initialisation. Là, c'est end-if, parce que je commence avec le if. Apply. Et là, vous voyez mon message vrai. Car mon opération est vraie. Je vais effacer le vrai ici. Je refais apply. Donc là, j'ai plus, mon message est vide. Et euh, je vais utiliser une autre opération. Je vais mettre un plus un. Et vous vous souvenez, dans les opérateurs, on a vu le dièse. Donc ça veut dire n'est pas. 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Et ça, c'est une opération de ma variable dollar $i. Donc, du coup, je vais effacer cette ligne. Très bien, je termine par. End Wild, hein, c'est toujours comme le Select de tout à l'heure, je commence avec Wild et je termine par End Wild, comme ce qu'emportent euh, les callbacks. Alors, je vais euh, cliquer sur Apply, et vous allez essayer de voir ce qui se passe ici. Alors, a priori, euh, pour vous, enfin euh, pour nous, euh, il se passe que euh, j'ai mon message euh, 10 qui apparaît. En fait, non. Euh, le message qui apparaît, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais, comme je n'ai pas euh, de durée, de valeur de durée de temps, dans le temps, eh bien, le contact euh, fait défiler de 1, à 10, mais de façon très très rapide et on n'a pas le temps de voir. Donc, en fait, euh, ce while ici euh, va servir euh, d'élément de loop de boucle et euh, va être relancé à chaque fois que ma cellule eh bien, euh, sera inférieure à mon nombre élément et mon array, c'est-à-dire 10. Donc, ma première cellule, 1, ma boucle, très bien, ça repart, ma cellule 2, ma boucle, ma cellule 3, ma boucle, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ma boucle, et ensuite euh, cela ne continue pas parce que euh, j'ai euh, que ma loupe est déclenchée, déclenche ma variable seulement jusqu'à mon nombre élément, c'est-à-dire jusqu'à 10. Je sais, c'est un petit peu compliqué. Alors, entre ici, message et inc, Je vais rajouter une fonction qui est la fonction, euh, si vous voulez, d'attendre, donc de temps. Et cette fonction, c'est wait. Et entre parenthèses, je vais mettre un chiffre. Euh, alors, euh, contact, calcul en microsecondes. Pas en millisecondes, en microsecondes. Donc, rentrons 10 000. OK, je vais faire apply. Et là, j'ai. Une erreur, c'est le drame, et je ne sais pas pourquoi. Alors, en fait, euh, l'explication qu'il y a, c'est que euh, ce wait ici ne fonctionne pas dans le callback d'initialisation. Pourquoi ça, je ne sais pas. Donc, ce qu'on va faire, euh, eh bien, on va mettre tout le code dans le callback note. Alors, sauf euh, la, les déclarations qu'on peut laisser sur le callback on-init. Donc, un note, n note, et je vais copier cette partie-ci, commande C, commande V, et je n'oublie pas, bien sûr, euh, d'effacer la partie ici. OK, je vais faire apply. Ok, c'est bien. End on ici. Je vais faire apply. Donc là, je n'ai pas de message parce qu'il faut que je joue, j'appuie sur une note car on est dans le callback on note. Donc je vais appuyer sur une touche. Alors, vous voyez, on a aperçu un comptage, mais c'était encore très rapide. Eh bien, ce que je vais faire, je vais rajouter un 0. Je vais faire apply. Et je vais jouer ma note. Et là, regardez bien maintenant. Et ouais, ça compte de 1 à 10, c'est encore assez rapide. Rajoutons un 0. Apply. Et regardez bien en bas à gauche. 2, 3, 4. Ça défile tout seul. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, c'est assez magique, hein, ce, ce petit bout de code-là. Et mon message. Ma variable. Je vais maintenant faire apply. Oups, un init, ça sera mieux. Je vais faire apply. Donc là, il ne se passe rien, mais je vais cliquer une fois. J'ai le chiffre 1 qui apparaît. Je vais cliquer une deuxième fois, le chiffre 2, etc. Donc cela incrémente de 1 en 1. Voici un script de Functions. Ok, pour terminer ce deuxième module, on va sortir du scripting et euh, l'on va euh, préparer notre instrument avec la manipulation, l'organisation et l'importation des centres, mais on va également parler euh, des, des groupes, etc, vous allez voir de beaucoup de choses. Je vais double- cliquer pour créer mon premier instrument et on va le renommer. Et du coup, cela va me permettre, eh bien, de vous dévoiler quel instrument nous allons créer. Nous allons créer un drums kit. On va l'appeler "Dit Guitar Drums Kit Script". On appuie sur Entrée. On va cliquer sur la clé pour entrer dans l'interface de contact. Alors nous n'allons pas aller dans le script éditeur pour le coup, mais euh, nous allons aller dans le groupe éditeur. Et c'est là, euh, si vous voulez, l'endroit euh, de gestion des groupes. Alors par défaut, vous voyez qu'un premier groupe est créé. Et par exemple, dans le groupe start option, Ici, on a euh, groupe Start avec différentes options. Always, qui est choisi par défaut. Mais on aura d'autres options comme Start Unkey, Start Uncontroller, Cycle Run Robin, Cycle Random et Slice Trigger. Nous aurons également un bouton Tune ici pour accorder nos groupes. Alors, on peut faire un Command Click pour remettre le paramètre au centre. On a le volume ici des groupes, ainsi que le panoramique. Renommons notre groupe, pour ce faire on double clic et nous allons l'appeler DIN pour dynamique 1, hein, et puis REP pour répétition. On a notre premier groupe et avec un clic droit, on accède à un menu et l'on va faire Duplicate Group. On va changer son nom, on va juste changer la valeur de répétition, ça sera 2. De nouveau clic droit, Duplicate Group et on va changer son nom en Répétition. 3. Alors attention, par défaut, euh, Contact euh, nous sélectionne tous nos groupes. Vous voyez, ils sont les trois ici cochés. Donc si je bouge un contrôle par exemple de volume, ici, mettons-le à fond. Eh bien, euh, je pensais avoir sélectionné mon troisième groupe ici. Et en fait, regardez si je vais dans les deux autres groupes. Eh bien, le volume est à fond, donc parce que mes trois groupes sont sélectionnés. On peut désélectionner des groupes. Donc là, maintenant, j'ai mon premier groupe sélectionné. Je peux mettre son volume à fond. Par contre, pour mes deux autres groupes, vous voyez qu'ils n'étaient pas sélectionnés, mon volume est resté très bien. Alors, vous vous souvenez, on a créé un groupe release, mais il n'y a rien pour l'instant dessus. Donc on va euh, prendre le groupe ici, Dynamique 2, répétition 1. Je vais sélectionner tous les samples, clic droit, copy zone, on va se mettre sur release, past zone. Ok, je vais mettre le groupe en solo. Alors là, vous allez me dire pourquoi je l'ai appelé release, c'est l'identique euh, de celui-ci. Euh, eh bien on va euh, en fait vouloir utiliser uniquement euh, la fin des samples, le release, le relâchement, pardon. Alors pour ce faire, on va fermer le groupe et le mapping editor et on va aller dans le wave editor. Alors je vous explique pas tout le principe, hein, mais on peut détacher la fenêtre, on peut zoomer, etc. On peut faire pas mal de choses. Euh, je vais rouvrir le mapping editor pour sélectionner par exemple euh, mon kick ici. Alors le souci, vous voyez, c'est qu'on ne le voit pas. Eh bien, on va euh, dézoomer. Eh bien, on va zoomer pour voir notre sample. Et vous voyez, ici. Euh, alors, ce qu'on va faire très simplement et très rapidement, c'est bouger le S ici, qui est le, le start de, de la boucle, en fait. Et plutôt que de le faire démarrer au début du sample, eh bien, on va démarrer sur la, la, la fin du sample le release. Alors je pourrais aussi bouger mon end, la fin de ma boucle. Donc ça il faudra le faire pour chacun des samples. Ok je vais régler eh bien, ce point de release sur chacun de mes samples. de mon groupe Release. Donc n'hésitez pas à fortement zoomer. Alors pourquoi je le fais individuellement sur chaque centre ben, Bien parce qu'ils sont différents. Donc, je pourrais avoir, il y a une opération pour faire ça euh, automatiquement sur tous les samples en même temps, sur toutes les zones, mais ça c'est valable quand on a euh, le même sample à chaque fois. Voilà, donc là je le fais euh, approximativement, on va dire. Euh, pour réaliser euh, une librairie euh, digne de ce nom, il faut y passer plus de temps. Il faut vraiment euh, ajuster ces points euh, les plus le plus précisément possible. Voici, c'est ainsi que se termine ce deuxième module. J'espère vous avoir intéressé, vous avoir fait progresser. Je vous donne rendez-vous prochainement pour le troisième module où nous allons continuer notre instrument. Et notamment, eh bien, nous allons nous servir de ce que nous avons vu dans le module 1 et dans le module 2 avec, si vous voulez, une mise en pratique. Allez, c'est parti. Avant de commencer le scripting, on va juste renforcer nos volumes car ils sont un peu faiblards. Alors, vous vous souvenez, on les avait réglés hein, dans le module 2. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner tous mes groupes et je mets ici le volume à plus 12 dB. Donc là, j'ai bien plus 12 dB. Alors pourquoi je fais ça Parce que mes samples de base étaient vraiment à faible volume. J'ai maintenant tous mes groupes à 12 dB. Alors de plus, je vais sélectionner dans le mapping editor mes samples pour régler les zones de volume. Ici, vous voyez que c'est tout à moins 6 sauf le kick. Donc ce que je vais faire, je vais tout sélectionner. Et ici, à la place de moins 6, je vais remettre à 0 dB. Donc ça, on peut le faire pour tous nos groupes. Vous voyez qu'on a tous nos samples, sauf les kicks, encore une fois, à moins 6. Donc je les mets à 0. Pareil pour mon troisième groupe, Dynamique 1. Et vous vous souvenez, Dynamique 2, eh bien, ils, ce sont des dynamiques plus fortes. Donc j'ai mon kick à 0 et mes autres samples à 0, pardon. Donc là, je vais tout sélectionner, alors je vais le faire... En sélectionnant groupe dynamique de 1, de 2 et de 3, je vais faire une multisélection de toutes mes zones et les placer à 12 dB. Ok, alors pour mes dynamiques 2, eh bien, je vais euh, les sélectionner d'une part avec Shift. Je vais sélectionner tous les samples et les mettre à 12. Là aussi. Parce que je, vous... je vais faire Apply. Et je vais appuyer euh, sur une note. Eh bien j'ai 1 qui s'affiche. Si je rappuie, j'ai 2 qui s'affichent. Et si je rappuie, j'ai 0 et non pas 3. Oui, parce que c'est 0, 1, 2. Ne pas oublier. Hein. Donc voilà à quoi sert notre euh, RRREP, répétition ici. Je peux maintenant effacer mon message dans nos variables. Je vais copier nos variables, coller, et l'on va définir maintenant des constantes, des valeurs constantes. Voilà, donc je l'indique pour moi et pour vous. Et l'on va euh, déclarer notre première constante. Donc on va faire déclare const. On va appeler la variable s dollar REPS. 2. égale 3. Pourquoi 3 trois Parce qu'on a 3 euh, répétitions. On a le run robin 1, euh, 2 et 3. Voilà. Ne pas oublier de mettre l'espace ici. Et là, vous voyez, en mode par 3. Donc, en fait, ce que je vais écrire ici, euh, comme j'ai déclaré euh, ma constante, eh bien, je vais remplacer ce 3 par la constante. C'est-à-dire ce qu'on vient de, de voir, hein, le nom reps. Et alors, euh, à quoi ça sert de faire ça Eh bien, ce qui est pratique, c'est que maintenant, si je décide de changer ma valeur de déclaration, eh bien, je n'aurai pas à venir changer euh, après le nom ici. Vous voyez Grâce à cette ligne de déclaration. Encore une fois, si c'est un peu compliqué, ne vous inquiétez pas, alors je corrige mes fautes, mais vous voyez, le 3 qui est ici correspond à cette valeur ici, il est temps de faire un apply et une sauvegarde que je vous conseille de faire régulièrement ici. Dans notre halo group, je vais remplacer le 0 qu'on a émis tout à l'heure par la variable rrrep, encore une fois qui correspond à notre variable de robin ou de répétition, ça veut dire la même chose. Note. Alors attention, euh, cette fonction est particulière dans le groupe release. Euh, ce n'est pas comme un play note dans le on note. Donc là, je vais appeler l'event note pour euh, jouer la note, ainsi que l'event velocity pour la vélocité. Le chiffre suivant, c'est un peu complexe, c'est le offset du départ du sample, donc on va mettre à zéro, et le chiffre suivant également 0 c'est la durée. Donc comme on veut lire le sample depuis notre point, nous, de start, on met 0 également. Donc là, on a le on note. Je vais faire apply, alors hop, j'ai fait une erreur. Et il me dit... Euh Erreur expression expected. Alors effectivement, vous voyez que c'est important de faire euh, des applies régulièrement pour ne pas se retrouver avec 15 000 erreurs. Et c'est en fait ici, vous voyez, j'ai oublié la variable s$ avant le event velocity. OK, on sauvegarde. toujours dans notre unrelease. Et alors juste avant ce release ID, on va rajouter également une autre fonction de script qui va être le fade out avec entre parenthèses la variable release ID. On va mettre la valeur 100 000. Et un. Donc, dans le Unrelease, on désactive tous les groupes, on active le groupe Release, on a le Release ID, l'identification pour jouer la note, la vélocité, et on a le fade out. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ce fade out. Je vais le mettre en tracolade, comme ça, euh, Contact ne le verra pas. Voilà, ici. Donc là cette ligne n'est pas lue. Je vais faire apply. Maintenant quand je joue une note, eh bien euh, si vous voulez, euh, quand je redéclenche re la même note, et eh bien euh, le release précédent ne se coupe pas. Et ça c'est problématique, hein, parce que si on joue dix fois la même note très rapidement, on va avoir tous les releases de toutes les notes. Et eh bien avec ce fade out, cela va dire euh, à contact. Quand je redéclenche une note et que je la relâche surtout, parce que là on est sur le release, hein. dès que je la relâche, eh bien euh, j'ai un fade out de l'ancien release, si je pouvais dire. Voilà, donc ça peut paraître également encore un peu complexe, mais euh, c'est une ligne de code euh, du script qui est assez couramment utilisée. Ok, j'aimerais que nous terminions ce module un peu compliqué par les hi-hats. Alors j'ai un hi hat ouvert et un hi hat fermé. Le souci, si vous voulez, qu'un vrai batteur euh, ne pourra pas jouer en même temps un hi hat ouvert et un hi hat fermé. Donc nous allons devoir programmer et dire, eh bien, qu'on veut stopper le hi hat ouvert quand on joue le hi hat fermé. Pour ce faire, nous allons déclarer une nouvelle constante. Donc declare const avec la constante s dollar open I K. on va faire un copier de cette déclaration juste en dessous et on va faire la même chose mais on va déclarer la constante de du close I donc close HH. Très bien, je vais mettre ça entre guillemets pour que Contact ne, ne le lise pas pour l'instant. Et on va aller euh, faire une chose très pratique, vous allez voir. On va se mettre à la fin du euh, Unnote et on va euh, vouloir afficher un message. Donc on va taper Message, parenthèse, et la variable S $event pour un événement de notes. Alors pourquoi on fait ça Vous allez voir, je vais faire apply. Et maintenant je vais jouer mes deux notes de high hat ouvert et fermé. Et vous voyez, tout en bas à gauche, ici, j'ai les valeurs de mes notes. Donc le high hat open correspond à la note 54 et le hi-hat fermé à la note 56. Donc ça, ça permet, vous voyez, très rapidement, scriptant rapidement ce message de event note dans le euh, on note, eh bien, d'avoir nos valeurs de open euh, key, la touche qui correspond. Donc 54 pour l'open hi-hat et 56 pour le close. Alors, faut pas que j'oublie d'enlever mes accolades. OK, dans les variables, on va déclarer notre variable open hat, donc open -h, id pour indexation. On va également déclarer notre variable $i, de point égal à zéro. Je vais faire apply. Alors vous voyez j'ai une erreur en fait, euh, c'est une erreur toute simple. Hein. J'ai oublié de supprimer mon accolade après le quai. Donc je le répéterai jamais assez. Faites très souvent des apply pour voir si vous n'avez pas des erreurs. C'est souvent des erreurs de frappe hein, d'ailleurs. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour le module 3 du tutoriel Diamant euh, Créer son instrument dans Contact 5 de Native Instruments. Alors euh, ce module 3 met fin à la première grande partie. Hein. Comme je vous le disais, euh, vous pouvez consulter euh, le module 4, 5, etc. Euh, sans forcément avoir vu euh, ce troisième module. Et comme je vous le disais en fin du deuxième module, euh, on va faire euh, exactement la même chose que dans le module 2. Sauf que, euh, eh bien, nous avons vu dans le module 1 et 2 euh, comment faire avec du scripting. On avait un script assez important. On a mis pas mal de choses en place pour euh, voir l'image, mais aussi euh, les dynamiques, les round robin, l'affichage des notes, les releases, etc. Ce qui nous a permis d'ailleurs de voir beaucoup de choses, hein, euh, dont on se sert euh, dans les modules suivants. Mais là ce que je voudrais vous montrer, c'est que tout ce qu'on a fait dans le module 2, eh bien on va pouvoir le faire euh, sans aucune ligne de script. Alors pourquoi j'ai choisi de vous montrer ça Eh bien pour vous dire que finalement euh, on peut faire euh, plein de choses avec le, les scripts et c'est tant mieux. Euh, mais euh, si on peut le faire sans le script, à mon sens euh, c'est plus pratique et en même temps, euh, comment dire, euh, cela va utiliser moins de ressources au final quand même que d'utiliser un script euh, très long pour faire des choses que l'on pourrait faire sans. Donc ce que je vais faire, je vais créer un nouvel instrument. On va dans File, New Instrument. Il est ici. Je vais ouvrir l'interface. Voilà, pour l'instant, je vais fermer tout ça. Comme ceci. Très bien, nous allons aller dans le groupe Editor. Donc le premier groupe est créé. Je vais le renommer. Je vais l'appeler euh, gr1. on va clic droit et faire dupliquer je vais l'appeler GR2 et je vais encore le dupliquer et le renommer GR3 Vous vous souvenez avec shift on sélectionne les trois groupes et on va les dupliquer pourquoi j'ai créé ces trois nouveaux groupes Pour mes hi-hats. Hein. Vous vous souvenez que dans nos hi-hats, on va avoir un souci au niveau du hi-hat ouvert et hi-hat fermé. Ils ne doivent pas, ils ne peuvent pas être joués en même temps. Euh, et en plus, euh, le hi-hat fermé doit couper le hi-hat ouvert. Donc je vais renommer ces groupes. Je vais mettre hi-hat. GR1, IHAT GR2 et IHAT GR3. Et enfin, je vais créer un dernier groupe. Vous vous souvenez, on l'a vu dans le module 2, on va avoir besoin d'un groupe pour euh, les releases. Ok, euh, vous sélectionnez bien tous les groupes, Edit. All group on va ouvrir les modulations et vous vous souvenez on avait euh, augmenté euh, le release à... voilà à un volume ici il me semble qu'on avait mis à plus 12 voilà Très bien, je vais faire un Edit All Group pour désélectionner tous euh, nos groupes et je vais euh, sélectionner le groupe de Hi Hat 1. Et euh, justement, euh, on avait vu qu'il fallait euh, couper le Hi Hat ouvert par le Hi Hat fermé. Donc c'est ce qu'on appelle les Chuck Groups. et cela se trouve ici la Voice Group. Donc on a le choix hein, entre euh, 128. On va prendre euh, le groupe 1 tout simplement. Alors le mode, on va garder Oldest, le, 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 le plus ancien. Le reste, on ne le touche pas. Pareil pour mon groupe 2 de I-Hat, même groupe. Et pareil pour le groupe 3. Alors vous voyez que j'ai le release quand même de mon hi-hat ouvert. Mais mon hi-hat fermé stop bien mon hi-hat ouvert. Donc, je pourrais envisager de supprimer également le release de mon hi-hat open. Écoutez, euh, on a fait exactement le même travail qu'on avait fait dans le précédent module avec du script, sans aucun script, avec le même rendu. Donc tout ça pour vous dire encore une fois que souvent, euh, ça peut être vraiment intéressant de voir s'il n'y a pas une autre possibilité que le scripting pour faire certaines choses. Je voudrais vous parler du choix d'un éditeur de script pour Contact. Alors pourquoi Parce que si je vais dans Contact, dans son script éditeur, c'est un éditeur de script mais au format texte qui offre vraiment le minimum requis, qui n'est pas pratique, qui n'a pas euh, des fonctions importantes. On peut tout faire hein, dans ce script éditeur de contact euh, au format texte, mais euh, vous allez voir que je vais vous présenter deux autres éditeurs de script pour contact qui valent vraiment beaucoup et qui sont beaucoup mieux que ce script éditeur de contact 5. Alors espérons que dans contact 6, quand il sortira, euh, eh bien, ils auront pensé à nous mettre euh, un vrai éditeur de script pour contact. Il y a deux éditeurs de scripts qui sont très bien, un qui est complètement gratuit et un autre qui est payant. Le premier, le gratuit, euh, eh c'est de chez Nils Liebergs. Donc vous allez sur son site hein, à et euh, vous ne téléchargez pas celui-ci. Je vais vous expliquer pourquoi après. Vous téléchargez ici celui-ci. Donc si vous êtes sur Windows, c'est ce fichier-là. Sur Mac, c'est ce fichier-là. C'est complètement gratuit, mais euh, vous pouvez faire un don pour aider euh, eh bien, à continuer de pouvoir euh, utiliser ces scripts gratuitement. Une fois que vous avez téléchargé et installé le programme, on peut le lancer. Donc le Nils Liberg KScript Editor. Et alors, euh, bien, vous allez voir, c'est beaucoup plus pratique que l'éditeur de script de Contact 5. Pourquoi eh Bien, déjà, voyez, on a à droite le KSP référence avec les callbacks, donc euh, qu'on a vu hein, dans les premiers modules, on init and done, on not and on, etc. On a les déclarations, les déclarations de variables, de constantes, de knobs, etc. Les arrays. On a les fonctions avec différentes fonctions. Et on a les variables. Donc, ça, c'est une première aide, je dirais, euh, précieuse. On peut redimensionner d'ailleurs cette fenêtre. Mais on a également euh, d'autres fonctions qui sont très intéressantes. Par exemple, si je tape le callback on init et que je clique sur return sur Mac ou entrée, alors pas du pavé numérique. Eh bien, regardez, il me crée automatiquement le end on pour ce callback. En plus, c'est en couleur, donc après, je peux rentrer des choses, hein, bien entendu. OK, si je tape on note, entrée, j'ai le end on. Si je tape on release, j'ai le end on. Donc déjà, juste pour ça, c'est vraiment euh, très pratique. Mais pas seulement, vous voyez que sur la gauche, eh bien, on a nos différents callbacks. Le premier, un init, un note, un Créons maintenant notre bouton de volume noise. Je l'ai appelé noise parce que ce sera du bruit. Ce que nous allons faire, nous allons nous placer après le set UI, toujours dans le callback Uninit. init. On va créer l'accolade, hein, je vous rappelle, c'est ALT et parenthèse. Pareil, vous voyez que dans Sublime Text, je rentre la première accolade, celle de gauche, celle de droite est automatiquement créée. Et je vais mettre ici des indicateurs, donc j'utilise les astérix. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez d'autres. Je vais faire entrer. Je vais en mettre une autre et je vais écrire. G U I. Eh bien, je fais encore entrer pour aller à la ligne et je retermine par mes astérix. Donc si vous voulez, encore une fois, tout ce qui est entre accolades comme ceci n'est pas interprété par contact, c'est juste pour nous, pour nous aider à comprendre et différencier les différentes parties du code. Donc là, pour créer ce bouton de volume de noise, c'est un peu le même cheminement que la création des variables dont nous avons parlé dans les premiers modules de ce tutoriel. Je vais déclarer mon UI bouton. Donc je tape déclare. UI. Et là, encore une fois, j'ai euh, eh un certain nombre euh, de menus. Qui apparaissent et c'est le UI Knob pour bouton Knob signifiant bouton donc c'est bien celui choisi je peux cliquer sur entrer ah vous voyez le souci c'est que comme j'avais fait euh, le déclair ici il faut le supprimer ici et euh, ce qui est bien c'est que euh, et bien maintenant j'ai le nom l'emplacement du nom c'est très explicite. On a ici min pour la valeur minimum du paramètre, max pour la valeur maximum du paramètre, et le display ratio, euh, le ratio. Donc ça aussi, c'est vraiment une aide précieuse. Je vais donner un nom à mon knob, donc ma variable s$. Je mets knb pour knob. De 0 à 500 000, j'ai un, juste un, une activation, désactivation, on et off. Donc je supprime ça. Eh bien, je vais copier ces trois lignes ici. Donc le set texte, ma variable, c'est plus s$knub, mais s$swi. modulator. Le nom, eh bien, je vais le changer, on va mettre vibrato on off Et je vais déplacer euh, eh bien ce bouton. Donc toujours pareil, je change ma variable SWI modulator. Et là et eh bien euh, les valeurs. alors encore une fois, vous pouvez faire des essais, hein. ça va être 125 en abscisse. et 34 en ordonnée. Enfin, euh, je garde le mec persistante, je change pareil juste ma variable. Je vous rappelle, hein, cette ligne de code euh, sert à ce que euh, eh bien, ma valeur euh, par défaut soit la dernière utilisée. Oups, une petite erreur ici. Et ici. Faisons un commande A, commande C. Et copions ceci dans notre contact. Je fais apply. Et vous voyez maintenant mon bouton on-off qui vient se placer ici. Et c'est plutôt pas mal. Hein on a créé ce bouton de volume de noise. On a créé ce switch on-off pour notre vibrato. Feedback. Pareil, on va copier-coller ceci. Et également, on va changer la valeur. Ici, on reste en 432 pour l'alignement en abscisse par rapport au delay time. Et on va garder l'ordonnée 94 comme ici. Commande A pour tout sélectionner. CTRL C pour copier. Et je remplace, je fais Apply. J'ai mes deux autres sliders. On vérifie. Impeccable. Très bien, nous avons supprimé le switch, pourtant nous avons besoin euh, eh d'un bouton qui ferait on-off euh, du délai. Donc nous allons créer euh, ce switch, mais qui n'est pas un switch, qui est un bouton. Et on va voir après euh, une des différences entre le switch que l'on a créé ici dans les Vibrato Controls et ce bouton switch que l'on crée dans le délai Controls. Je vais copier toute cette partie du vibrato qu'on va mettre ici, et à la place de déclarer un, un UI switch, on va déclarer un UI button pour bouton. Le, la variable, eh bien c'est pas un dollar swi, mais un dollar BTN pour bouton. Et ce n'est pas modulator, mais délai. Donc là, déclarer un bypass bouton. Très bien, on va copier notre variable. Ça ira plus vite. On la remplace ici, cette texte. On la remplace ici pour le move control et pour le make persistante. Donc il nous reste deux choses à changer, le texte ici et le placement. Donc en texte, eh bien on va appeler ça délai on off et pour le placement, eh bien, on va se placer ici à 530 en abscisse et on garde 34 en ordonnée pour que ce soit euh, aligné au vibrato contrôle, hmm, le switch modulateur. Très bien. Commande A, commande C. On va copier tout ça dans notre contact. Apply. J'ai bien mon euh, délai. Off ici sur l'interface. Alors il y a plusieurs différences euh, entre un switch et un bouton qu'on ne voit pas à première vue parce que ça ressemble euh, vraiment. Je vais vous donner une, une seule différence pour l'instant. Euh, on verra d'autres différences plus tard. Euh, par exemple, euh, un switch. Si je fais un clic droit, eh bien, je vais pouvoir faire un MIDI Learn, un MIDI CC. Donc, je vais pouvoir attribuer euh, cette ce, ce, ce bouton, ce switch, pardon, euh, à un bouton de mon clavier maître MIDI ou de mes contrôleurs. Sur euh, le bouton ici, et eh bien si je fais un clic droit, euh, je n'ai pas ce MIDI-learn. Donc ça c'est quand même une grosse différence. Ok il est temps de faire une sauvegarde aussi bien euh, de contact que de notre script. Continuons notre script avec la création et l'ajout des boutons pour notre enveloppe ADSR, attaque, decay, sustain et release. On va se mettre après ici et je vais appeler ça ADSR Controls. Donc là, vous allez voir que le procédé euh, est plutôt semblable à ce que nous avons déjà fait. On va déclarer notre UI, mais euh, ce n'est pas un UI Switch, ce n'est pas un UI Slider, c'est un UI Knob. Vous vous souvenez, on a créé ça pour le Noise. Comme ceci, je vais lui donner la variable Knb pour Knob et puis tirer petit a pour attaque. On va ouvrir la parenthèse, mettre la valeur minimum 0. La valeur maximum, alors la valeur maximum, cela va être 1 million. pour que, euh, si vous voulez, notre euh, bouton-knob pour l'attaque aille eh bien, de son minimum à sa valeur maximum. Dans Contact, c'est 1 million pour l'attaque. Et puis, on a le ratio, on garde toujours 1. Donc, on appelle ça attaque. On va faire un set. Texte, on l'a déjà vu ça pour le bouton noise aussi. Hein. On va ouvrir la parenthèse, on va mettre la variable, knob, A, virgule, ouvrez les guillemets et on va appeler ce bouton attaque. Donc, ça, on l'avait déjà vu, euh, pas de souci, hein, je le répète, on l'avait vu pour le Noise Volume Control. Mais euh, maintenant, plutôt que d'utiliser la fonction de Move Control pour positionner en pixel son contrôle, on va voir une autre méthode qui est euh, très souvent utilisée dans Contact. Et c'est Par pour paramètres. Donc là, je peux cliquer sur Entrée. Euh, ici, j'ai le paramètre, sa valeur, le groupe ou les groupes le slot l'emplacement et la valeur générique le paramètre cela va être une constante donc on va mettre S dollar et on va mettre en majuscule car c'est une constante engine par attaque ensuite nous avons notre valeur Et eh bien notre valeur cela va être notre variable knob a on a bien déclaré et fait la boucle avec le bouton knob a de l'attaque pour le groupe eh bien on va choisir notre index Ici, donc ça, cela voudra dire euh, si je suis sur le groupe 1, eh bien euh, cela bougera l'attaque du groupe 1. Si je suis sur le groupe 2, euh, l'attaque du groupe 2, etc. La valeur suivante correspond au slot que l'on pourrait traduire par emplacement. Alors dans contact 5, par exemple, on a, voyez, les groupes 1CRFX où nous avons des emplacements. Ce sont des slots, donc slot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a euh, la même chose pour par exemple les Send Effects. Et pour notre euh, ADSR, eh bien, si vous voulez, il euh, n'y a pas d'emplacement, mais c'est euh, par défaut, on peut mettre 0. Si je mets 1, eh bien, cela voudrait dire euh, l'emplacement 1, le slot 1. Là, on va mettre en valeur 0. Enfin, la valeur générique, alors pour l'instant, je ne vous explique pas exactement euh, ce qu'il en est, on va juste mettre moins 1. Très bien, allons copier ceci dans Contact. Apply. J'ai une erreur, et effectivement, une erreur toute bête, c'est deux points égales ici. Apply. Maintenant normalement si tout fonctionne, et eh bien quand je bouge mon bouton d'attaque ici, cela devrait euh, bouger euh, le paramètre d'attaque de l'engine de contact, de l'ADSR de contact, du moteur ADSR de contact. Donc là, je suis à 0. Je vais mettre mon attaque ici à 0. Si je bouge mon paramètre d'attaque jusqu'à son maximum ici, 1 million. Et malheureusement, cela ne fonctionne pas. Alors, est-ce dû à mon script Non, vous allez voir pourquoi. Euh, si l'on va dans notre groupe éditeur, on n'a qu'un seul groupe. Et vous vous souvenez, dans notre script, eh bien, euh, j'ai bien dit euh, le groupe ici, num group moins 1. Donc l'attaque ne sera pas appliquée au dernier groupe. Et vu que j'ai que un groupe ici, eh bien contact euh, n'applique pas euh, mon attaque sur ce groupe-là. Alors ce que l'on va faire, on va faire un clic droit et on va faire euh, dupliquer le groupe. Donc là maintenant j'ai deux groupes. Mon script va dire, eh bien pour mon premier groupe, euh, l'attaque va fonctionner. Mais pour mon dernier groupe, comme j'ai groupe moins 1, eh l'attaque ne va pas fonctionner pour ce groupe-ci. Je sélectionne mon groupe 1. Je mets mon attaque à 0. Ici, mon attaque est à 0. Si je bouge maintenant mon attaque jusqu'à 1 million au maximum, eh bien, boum, vous voyez que mon attaque à bouger à son maximum. Ce qui prouve que mon code est bon. Euh, maintenant, je peux contrôler pour mon premier groupe son attaque de l'enveloppe attribuée encore une fois au volume. Vous l'aurez compris, pour euh, eh bien paramétrer le decay, le sustain et release. On peut et eh bien tout simplement copier ce callback juste après. Et bien entendu, on va appeler le knob du déqué, donc on change le A par DK. Ici on change par, par le paramètre de l'attaque par le paramètre du déquai. On change ici le A par le D. C'est fait et on peut répéter l'opération pour le sustain et pour le release. Mais euh, il y a une deuxième possibilité qui va, euh, si vous voulez, nous permettre euh, d'avoir moins de code. Donc c'est toujours appréciable. De plus, on va voir une nouvelle fonction. Et euh, certainement que euh, avec moins de code et ce que l'on va mettre en place, et eh bien euh, que le script va, euh, si vous voulez, euh, avoir moins d'incidence sur euh, vos ressources CPU, etc., euh, dans Contact. Vérifions que notre DK fonctionne. On va copier ce code dans Contact. Mon déquet est à 0. Ici, il est à 0. Si je tourne mon bouton au maximum, eh bien mon déquet est au maximum ici. Donc, pour vous montrer que euh, cela fonctionne parfaitement. Pour mettre en place cette deuxième possibilité, on va copier ceci. On va se mettre ici à la fin du on init euh, and un. Et on va euh, appeler ça UI. Et nous allons appeler ça UI Callback. Donc ça, c'est notre Callback UI. Et maintenant, nouveauté. On va rajouter du code que je vais appeler User functions fonction utilisateur Et nous allons voir une nouvelle euh, fonction Je tape function et je vais... Créons nos groupes et créons les assignations au délai. On va ouvrir l'instance de contact où nous l'avions laissé. Allons dans le groupe éditeur. Alors vous voyez que j'ai deux groupes. Je vais prendre celui-ci et je vais le supprimer. On va renommer le premier avec le nom Leads. Avant de créer les autres groupes, on va créer euh, une modulation. Hein. Je vous rappelle qu'on avait déjà par défaut la modulation de l'enveloppe ADSR que l'on a assignée. Et l'on va ajouter une modulation. Donc on va dans Add Modulator, dans les LFO. Parce que si vous voulez, notre vibrato, eh bien, c'est en fait un LFO. Et on va prendre euh, la forme d'onde triangle. Donc là, j'ai mon LFO assigné au volume. Si l'on va tout en bas, eh bien maintenant nous remarquons notre enveloppe qui n'a pas bougé, mais en dessous nous avons eh bien, euh, le LFO avec sa forme d'onde triangle que nous avons choisi, la fréquence, le fade-in et la phase. Et vous vous souvenez, dans notre instrument, on a une case vibrato avec vibrato on-off, et puis la fréquence et le fade-in. Eh bien, euh, la fréquence servira à moduler la fréquence ici et le fade-in ici. Très bien, donc on va faire clic droit et on va faire dupliquer le groupe. Avec Shift, on sélectionne les deux groupes, clic droit, dupliquer groupe. Donc là, j'ai quatre groupes. Je vais renommer le second en basse, le troisième, pads, le quatrième, le quatrième, Pulse. Si l'on regarde ces groupes, et eh bien on voit que comme je les ai dupliqués, et que j'avais créé la modulation LFO sur le premier groupe, et eh bien mes autres groupes ont également cette modulation. Bouton. Nous allons euh, maintenant, et euh, eh bien faire le lien entre notre slider euh, de time délai. Et euh, l'engine dans Contact, alors vous allez voir, c'est assez simple. Hein. On va euh, copier ce code. Donc là, on a le euh, un ui Control et c'est pas euh, Bouton Délai, mais c'est Slider Délai Time. Slide DL. Time et également dans l'engine, et euh, eh bien, ce n'est pas le Bypass. C'est euh, le délai DL. Time. Ici, on n'a pas besoin de valeur absolue. Par contre, ce n'est plus le bouton délai. Mais c'est euh, le slider delay time. Donc là, encore une fois, on remplace par Sli dl time et on garde la valeur toujours moins un, zéro et un. On copie de nouveau ce code et on va remplacer le euh, délai time par le délai feedback et l'engine eh bien sera euh, par remplacé par délai feedback et également ici, feedback. Copions ce code. Apply. OK, petite erreur, c'est bien end-on qu'il nous faut et pas juste end. Je n'ai plus d'erreur. Voyons maintenant si mon delay time agit bien sur eh bien, le time du délai ici. Donc là, je suis à 5 millisecondes. Si je bouge mon slider au maximum. Eh bien, mon time va au maximum. Cela fonctionne pareil pour le feedback ici à 0%. Si je bouge mon slider, eh bien je suis bien à 100%. Donc là, je vais juste terminer par des infos pour moi. Ici, on aura tout ce qui concerne l'ADSR control. Et ici, Le délai contrôle, et nous allons nous attaquer à la partie la plus difficile du vibrato contrôle. Pour le vibrato controls, cela va être bien plus compliqué. Ce que nous allons vouloir faire, c'est euh, assigner ici ce bouton d'intensité du LFO à notre mode Wheel, ici, molette de modulation. Pour ce faire, on va retourner dans notre script, on va aller dans notre GUI, on va se mettre à la fin ici. Et on va avoir besoin d'un un contrôleur avec un if donc un si et on va euh, prendre une variable que nous n'avons pas encore vue qui est le cc -num. En fait, si vous voulez, les, les contrôleurs, euh, notamment la mode wheel, euh, correspondent à des euh, CC, contrôle continu. Et le CCNUM de la molette de modulation, c'est 1. Donc, on va mettre égal 1. Je vais pour l'instant mettre le end if. On n'oublie pas d'aller déclarer notre nouvelle variable. Et là, la variable c'est cc value. Et c'est là que cela se complique beaucoup avec une formule un petit peu contraignante. N'oublions pas qu'une parenthèse ici. On évite une petite erreur. Ensuite, nous devons mettre le nom du modulateur. Alors, quand on ne le connaît pas, eh c'est tout simple. On va euh, le sélectionner ici. Et on va faire un clic droit. Alors, on a possibilité de delete, de le supprimer. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. On va avoir son nom ici. Donc, LFO Tri. Je vais donc rentrer le texte LFO-TRI, moins 1, incrémente i, end while, end if, et je n'oublie pas end on. Donc je suis conscient que cette partie est quand même assez complexe à comprendre et à vouloir reproduire. Encore une fois, euh, vous pourrez avoir euh, noté quelque part euh, en favori, si vous voulez, ou en rappel, euh, cette équation euh, pour transformer euh, eh bien la molette euh, de modulation euh, attribuée à euh, des valeurs autres que de 0 à 127. Et puis euh, cette boucle ici. Faisons un commande A, commande C, et allons copier ce code dans notre script, apply. Alors j'ai une erreur et je vois tout de suite ce que c'est. C'est LFO, tiré vers le bas, tri. Ok, autre erreur, je la vois aussi tout de suite, l'astérix ici. Et à la place de mon astérix, c'est bien une parenthèse. Ok, je n'ai plus d'erreur. Maintenant, nous allons voir si cela fonctionne. Et j'ai bien moins faux triangle avec l'intensité ici. Quand je bouge ma mode wheel, vous voyez que cela fonctionne elle est bien attribuée. À ma valeur de 0 à 1 million au niveau de l'intensité. Voilà. Ça, ça ne change pas. Ça, ça ne change pas non plus. Incrémente i and while. Oups, je me suis trompé. C'est pas grave. On va rectifier. C'était. Ici, un petit peu distrait. Voilà. Et enfin, on change ici avec le euh, slider. Fade in. Ici, on va changer le engine car euh, le nom sera LFO. Et c'est le délai du LFO. Puis, eh bien, slider. Fade in. Et je crois que c'est tout bon. On va copier-coller ceci dans Contact. Et maintenant, je devrais avoir ici, vous vous souvenez, la fréquence et en dessous le fade in. Donc là, je suis à 0 et 0. Je suis bien à 0 et 0. Si je bouge ma fréquence au maximum, eh j'ai ma fréquence au maximum. Et si je bouge mon fade-in, eh j'ai bien le fade-in au maximum. Alors là, je suis en bypass, parce qu Il qu'il faut que j'active mon vibrato. Voici, bah si, bah écoutez, on a quand même pas mal avancé. Et euh, dans le prochain module, nous allons enfin euh, afficher assigner euh, nos samples à nos différents groupes et avec des nouveautés par rapport à ce que nous avions fait dans le, les modules précédents.